Oui, bonjour et bienvenue dans l'épisode numéro 217 de Stage 1 et nous allons jouer aujourd'hui à Call of Duty Modern Warfare 2. Et c'est parti pour continuer notre belle saga Call of Duty. Donc Modern Warfare 2, la suite logique de Modern Warfare en fait. Mais il y a eu, j'ai oublié le nom, celui qu'on vient de tester. J'ai des trous de mémoire assez incroyables. Alors c'est parti quand même pour Modern Warfare 2. For the record, je vous laisse la petite cinématique en intro. C'est le bleu, chef. Soupe, c'est quoi ce nom à la con? Allons-y. Sakaev. Imran Sakaev. Mon sang sur leurs mains. Plus les choses changent, moins elles évoluent. Les frontières bougent, de nouveaux acteurs apparaissent, mais le pouvoir se trouve toujours un maître. Nous avons combattu et souffert aux côtés des Russes. Nous aurions dû savoir qu'ils nous haïraient pour ça. Ce sont les vainqueurs qui écrivent l'histoire, et je pensais que nous avions gagné. Mais quand on abat un ennemi, un autre, pire encore, vient le remplacer. Les lieux changent, comme les raisons et les objectifs. Les ennemis d'autrefois deviennent nos alliés. On les forme pour lutter à nos côtés en espérant qu'ils ne se retourneront pas contre nous. Un autre jour, mais toujours la même merde. Vous savez ce que je cherche, sergent Follet. Ouvrez bien l'œil. Un nouveau groupe passe dans la fosse aujourd'hui. Je vous enverrai le meilleur. Oui, donc voilà, j'ai eu le temps de réfléchir, donc oui, c'était World at War, celui qu'on vient de tester, je suis complètement bête. Donc c'est parti, donc celui-là, oui, donc je disais, c'est la suite logique de Modern Warfare, tout court. Donc c'est parti, alors là on est dans une sorte de terrain d'entraînement, on va pouvoir montrer aux bleus comment on se bat. Donc voilà, c'est à nous de jouer. Ah, par contre il faut que je touche sans mon viseur, donc voilà. Hop. C'est, voilà, donc non, je vais pas inverser les commandes. Comparé à d'autres jeux où c'est que ils s'en foutent un peu du viseur. Même s'ils vous le disent, voilà, tester sans viseur, tester avec.
comme on l'a vu sur Red, sur pas Red Faction, comment il s'appelle? J'ai oublié le nom encore. J'ai encore oublié le nom. J'oublie le nom en ce moment. Je suis un peu la tête en l'air. Je me souviens du jeu, mais je me souviens pas du nom. Voilà. Donc, on continue l'entraînement. Hop. Hop. Donc là, on est avec le viseur. C'est bon. Il faut la viser avec le viseur. Si votre cible se cache derrière un léger, j'essaie de me souvenir, mais non, je me souviens plus du tout du nom. Qu'est-ce que c'était? Comment s'appelait ce jeu? Je ne sais plus. Donc là, on vient de tirer à travers une planche pour montrer qu'on peut, on peut viser à travers une paroi. Là, on prend une grenade. On va lancer une grenade sur nos ennemis. On va lancer à peu près là au milieu. Voilà, histoire de tous les niquer. Ah, j'ai pas tout niqué, mais bon, c'est déjà pas mal. Alors réfléchissez à deux fois avant d'en lancer une si c'est le cas. Allez. Merci pour votre aide, soldat Allen. Eh ben de rien. Hein. Il me dit merci pour votre aide, bah oui, bah. C'est moi le meilleur, comme d'hab. Je te connais. Je sais pas, on a dû former les bleus, donc là on est parti, on va là-bas, bah on nous dit d'aller quoi. Allez, on fait un petit sprint. 40, 30, 20, 18. Je dois rentrer où? Je ne sais pas. C'est pas... Ah bah oui, c'est là. D'accord. D'accord, on descend ici. Oh, un sergent. Qu'est-ce qu'il nous voulait? Bienvenue dans la fosse. Il paraît que le général Shepard veut confier une mission spéciale à notre unité. Il est venu en observation. Bon, maintenant reprenez votre fusil. J'ai l'adjudant chef sur le dos à plus de ça. Bien, reprenez votre arme de poing. Alors, c'est rapide, hein? Prendre votre pistolet est toujours plus rapide que de recharger. Souriez pour les caméras et visez juste. Shepard vous observe. Le meilleur tireur rejoindra l'escadron d'élite. Si ça vous intéresse. Bon, allez-y. Le chrono démarre dès que la première cible apparaît. Allez, donc on est parti sur un terrain d'entraînement. Et on va s'éclater, on va essayer de faire un bon temps. Voilà, ah, j'ai une bonne arme avec un bon petit point là, j'aime bien ça. J'aime bien pour viser ce petit point, je kiffe. Voilà. Oh merde. Ah, c'était... D'accord, c'est un civil. Donc, 1 sur 11, bon. C'est pas bien, mais il faut que j'évite de tuer les civils, ce sera mieux. Hop. Non. Oui. Oui. J'y pense, c'est pas tellement évident. Bah, si, ça c'est évident, mais faut se poser 2 secondes pour pas tuer le civil. Ah merde, putain. Qu'est-ce que je suis con. J'ai tué un autre civil. Ah, couteau. Voilà. Le temps de réagir qu'il fallait appuyer au couteau. Lui, il est pas joli. Lui non plus. Toi, t'es mignon. Hop, toi, t'es pas beau. T'es pas beau. T'es pas beau. Ah, non, c'est un civil. Il va me faire avoir, mais non, c'est bon, c'est un civil. Eh, j'en ai loupé un peu plus haut. Il me semblait en avoir vu passer un, mais c'est bon, ouais. Je sais où je l'ai raté. Mais c'est pas grave, difficulté recommandée, c'est juste pour faire un test, mais nous, de toute façon, on s'en fout, on va passer en mode recrue. Oui, c'est la difficulté qui n'a pas été recommandée, mais on s'en fout. Je suis pas un dieu du FPS, et j'ai pas envie de me prendre la tête, c'est pas fait pour. On est là pour s'amuser. Ouais. Ils veulent que je monte dans un véhicule. Allez, non, c'est bon. Bon, ça se fait tout seul. Parce que ce qui se passe ici a de l'importance là-bas. Nous ne pouvons pas rester spectateurs. La maîtrise des outils de la guerre moderne est ce qui permettra à votre peuple de se développer au lieu d'être anéanti. Nous ne pouvons vous offrir la liberté, mais nous pouvons vous apprendre à la conquérir. Et ça, mes amis, a plus de valeur qu'une armée entière de blindés. Bien sûr, la taille de l'arme a de l'importance, mais ce qui compte le plus, c'est la personne qui l'utilise. C'est l'heure des héros.
L'heure de faire la légende. Ce sont les vainqueurs qui écrivent l'histoire. Mettons-nous au travail. Debout, soldats Allen ! Les Rangers passent devant ! Allez ! Bon, on commence en étant couché, on a dû tomber, j'en sais rien. Et donc là, on est parti, on va essayer de démonter des mecs. Putain, ils sont sur l'autre rive. On va essayer de reprendre en fait la ville en fait. Parce que c'est le bordel. Heureusement que j'ai un petit viseur parce que là. J'ai un, je veux dire, un petit pointeur au niveau du viseur. Putain, ils sont loin les mecs. Pour viser là-bas. Ah! Qu'est-ce que c'est que ce bordel? Il y a du sang qui apparaît, enfin du sang assez transparent qui apparaît sur l'écran. Un drôle de sang, hein. Ça ressemble plus à celui du jus de raisin, mais bon. Voir du jus de fruits. Ouais. On me tire dessus, mais je sais pas qui c'était. Donc là, j'utilise mon petit lance-grenade, c'est plus rapide. J'essaye de viser avec mon lance-grenade déjà. D'aussi loin, c'est un peu compliqué. Ah, j'ai touché le bâtiment, c'est pas tellement utile. Ah, mais d'accord, mais attendez, les cibles, c'est ça là-haut en fait. J'essaye de viser. Voilà. Ah bah voilà. Tout le monde est parti en sucette. Pratique les lance-grenades quand même. Très pratique. Partie sauvegarder fou. Allez. Je ne sais pas. On a dû changer de mission. Ah oui, voilà, le pont. Ils sont en train de déployer le pont. Regardez à gauche là-bas. Et donc on va pas tarder à pouvoir y aller. Voilà, objectif atteint. Allez. On va aller les voir là-bas, sur le pont. Et il se passe plus rien ici. Bizarrement, il n'y a plus personne en face. Comme par hasard. Au moment où on a fait le pont, il n'y a plus personne. Alors, est-ce que je peux y aller à pied? On va faire comme ça. Ah non! Est-ce que c'est sérieux? Il serait plus sûr de monter dans le véhicule. C'est sérieux ça? Ils m'ont fait crever comme une merde là en tombant à travers 3 cm d'espace. Oh là là. Bon. Et on va essayer de monter dans la voiture. Pas celle-là. Ni celle-là. Je peux pas monter s'il vous plaît? Enfoiré de merde. Comment je fais moi? Non. Non, ça veut pas. Je suis peut-être un petit peu bête. Ah, faut peut-être que je suive la flèche sur mon écran, peut-être. Hein. Que j'ai vu, ouais. Ah, c'est mieux, effectivement. Là, c'est un meilleur siège. Et on monte là-haut. Oh, on va faire fonctionner le gros canon. Ça va être cool. Allez, le gros canon. Non. On se met en route? Non, peut-être. Allez, avancez, peut-être, non? Broum. Je sais pas, on reste là, j'en ai un petit peu con. Ah, on se fait attaquer. Ah, ça y est, on commence à pénétrer. Puis là, je me disais, je commençais à m'emmerder quand même sur mon camion. Donc, allez, je vous laisse la petite entrée dans la ville. Là, je vous laisse quelques minutes, même pas 5, quelques minutes. On se retrouve dans quelques minutes. Bien reçu, Hunter 2. À tous les Hunter 2, faites gaffe avec les civils. On attaque que s'il nous tire dessus. Cherchez l'ennemi sur les toits. Restez concentrés. On voit quelque chose? Rien du tout. C'est mort par ici. La fumée est totalement insupportable. C'est on voit plus rien du tout. Donc je vais enlever tout ça là. À adoucir la fumée en fait, ouais, on peut pas l'enlever, on peut l'adoucir, donc c'est déjà mieux. Voilà. C'est déjà un peu plus fluide. On passe le tunnel Harvey et la rue Elisabeth. Bien reçu, Hunter 2-1. Soyez prudents. Gaffe à vous, les gars. C'est le Far West ici. Compris. Surveillez les ruelles. On les couvre. Trois ennemis sur le balcon à 12h. Sûrement la milice. Ils sont armés? Négatif. Ils les observent. C'est tout. Je suis pas
appareils qui nous espionnent. Ça veut pas dire qu'on peut pas les buter. Ici le sergent Follet. Préparez-vous à l'attaque. Il y a des tireurs embusqués. Et nous revoici en pleine action. En pleine action de démontage de mecs. Hop. Voilà. Donc on est quand même descendu de notre camion. Et là, on est en train d'essayer de dégommer les gens. Tout simplement. Objectif, voilà, tous les ennemis présents dans l'école. Donc il n'y a plus personne dans l'école. Par contre, il y en a plein en dehors. Et c'est le bordel. Je me fais tirer dessus en plus. Hop. Ah, j'aime ce viseur, je dirais jamais assez, j'aime ce viseur. Bon, faut que je suive mon pote là. Ah, vous êtes blessé, c'est quoi ce connerie? J'ai rien vu arriver, on va peut-être rester là dans un coin le temps de se soigner. Parce que oui, dans Call of Duty, on se soigne tout seul, hein. Pas besoin de récupérer de la vie quelque part. Hein. Ça se soigne automatiquement. Mais bon, faut peut-être attendre un petit peu quand même. Hop. Ah merde, putain. J'aime pas recharger en plein milieu. Un truc. Allez. Donc on suit toujours notre collègue qui est là. Voilà. Et on continue d'investir les lieux. Il y a des mecs un peu partout. J'ai la musique de Psy dans la tête. Horrible. Je l'ai pas dit mais c'est horrible. C'est aussi ça. Comment vous voulez jouer correctement avec une musique comme ça dans la tête? La nouvelle, hein. Pas l'ancienne. Youp. Hop, comme par hasard des ennemis partout. J'arrive, je regarde mal et du coup je me fais défoncer à mon arrivée. Crève, forêt. Voilà. Ils sont tous morts. Ah non. En fait, c'est plutôt rapide quand même, on meurt vachement moins hein, que... C'est peut-être parce que je suis en mode recrue, ouais, sûrement pour ça quand même. C'est quand même un peu trop facile. Voilà. Juste une petite grenade, vous arrivez, ils savent plus où ils sont, voilà. Vous les démontez en deux coups, voilà. Bon, peut-être pas lui. Vous les démontez en deux coups, c'est plutôt rapide. Ah putain, j'aime pas recharger quand c'est pas le bon moment. Faudrait que je prenne le réflexe de recharger moi-même automatiquement avant d'entrer dans les pièces. Parce que du coup je recharge dans la pièce, au moment où je redécouvre tous les ennemis. C'est largement con. Alors là mes collègues ils ont disparu, je sais pas où ils sont. Les gens. Là ils sont là en fait, ils sont en train de... Ouais ok d'accord. Je suis en train de faire demi-tour, ouais génial, j'ai fait un petit tour gratuit du propriétaire. Je pouvais pas continuer sans mes collègues quand même, on sait jamais. Je n'arrive pas au bon endroit. Je crois pas qu'il y ait 50 000 endroits possibles. Donc bon, j'avais fait une remarque, il y a un moment j'avais fait une remarque sur Call of Duty en disant que les graphismes évoluaient pas. Ils évoluent. Je préfère prendre le devant avant qu'on fasse des critiques. Hein.
ils évoluent, c'est sûr, mais... Mais quand vous regardez par rapport à l'histoire, par rapport à tout... Je suis d'accord avec les, avec la vie générale, c'est-à-dire que, ouais, ça perd de tout, ça perd de son histoire. C'est Activision qui devient une machine à pognon. Ça va, même moi, je pourrais pas défendre ce genre de truc. Ouais, c'est une machine à fric. Faut s'en rendre compte, au rythme où ils sortent les jeux, vous vous rendez compte qu'il y a l'histoire qui change un peu, mais au final, ouais, le jeu en lui-même, c'est la même chose, quoi. Vous changez peut-être un peu les armes, c'est peut-être pas les mêmes armes. Les moteurs, je sais même pas s'ils changent. Je me suis même pas renseigné là-dessus. Putain, il veut pas crever. Non, mais ouais. J'ai un avis plutôt neutre, on va dire, sur Call of Duty. C'est quand même un bon jeu, hein, parce que bon, c'est un jeu comme un autre. Hein. La communauté en elle-même est à chier, mais. Mais le jeu, bon, ouais, on peut pas le reprocher. Ça a beau être des machines Afrique, ça marche quand même. Voilà, qu'est-ce qu'il nous dit notre sergent là? Bah rien, on a fini le. On a rejoint l'équipe. J'ai l'air de quoi? De l'un de nos ennemis. Parfait pour votre mission d'infiltration. Alors c'est Makarov la récompense? Makarov n'est pas la récompense. C'est une putain qui se vend au plus offrant. N'oubliez pas votre nouvelle identité. Ça peut vous sauver la vie. Bienvenue dans la 141e, le meilleur groupe de combattants de la planète. C'est un honneur, monsieur. Quand vais-je rencontrer le reste de l'équipe? Ils sont en mission pour récupérer un ACS derrière les lignes ennemies. Ils ont dû se mouiller? Ils sont sûrement en train de se les geler en ce moment. Nous revoici dans le jeu en période glaciaire, on dirait. Il y a de la neige de partout et de la glace, surtout qu'on a l'air de spoiler quand même pas mal le fion. Mais on va s'arrêter là. Ce sera tout pour Call of Duty Modern Warfare 2. Et on se retrouve très bientôt pour la suite. Si tu as aimé cette vidéo, je t'invite à venir visiter ma page YouTube où se trouvent plein d'autres vidéos. Sinon, tu peux aussi cliquer sur les vidéos au milieu pour aller les voir directement. Je t'invite à laisser des pouces verts si tu as aimé ou des pouces rouges si tu n'as pas aimé. Tu peux même laisser un commentaire en bas de la vidéo pour me dire ce que tu penses. Quant à moi, je vous dis à bientôt pour un nouvel épisode de Stage 1.